Non mais arrêtez, il n'y a pas de poutrage là. Il n'y a pas de poutrage qui tienne. Je mets n'importe qui au défi d'essayer de refaire ce jeu. Mais c'est clair, non mais c'est clair, moi voilà. Fox vient de dire une chose évidente. Qui parmi vous tous nous finit le jeu en un rien de temps là? Ce jeu là. Facile de faire les tyrannosaures, les grandes gueules et les petits bras. C'est ça, la grande gueule, petit bras, c'est facile hein. Et après, faut agir. Ah, c'est beaucoup plus simple là. Eh oui. Bah oui, pas toi, donc arrête de poutrer si tu arrives pas à faire le jeu. C'est qui dit là hein? Fabrice, il dit... Alors c'est qui le tyrannosaure là? Bah voilà, non mais voilà, tu vois. Qui est-ce qui a encore quelque chose à dire là maintenant? C'est ça. Je remercie ceux qui m'ont donné la soluce. Voilà, oui, merci, tout à fait. Hein. Moi le jeu, je le finis pas avec un... avec un an devant moi. C'est bien, au moins Milou, c'était honnête. Bon, Steve, il dit qu'il le finit le jeu. On n'a rien de temps. Steve, ok. Après, Steve, il est bon en Battlefield, donc lui, il a le droit. Bon, je sais pas si t'as entendu, Steve, mais tu viens de te faire lécher les boules. La poutre et le tyrannosaure, belle perspective. Non, parce que le tyrannosaure, c'est pas bien, c'est une insulte, parce que ça fait, tu sais, c'est... Petit bras et grande gueule, tu vois. Ouais, donc voilà. Il a pas dû comprendre que ça... Oui, je crois, ouais. Il y a une logique que je comprends pas dans Metal Gear, c'est comment le mec il arrive à survivre après 3 requêtes dans la gueule. Oui, mais là on est dans le monde du vidéoludique. Oh là là. Petit cerveau, ouais. Aussi, ouais. Grande gueule, petit bras et petit cerveau. Ou grande... Oh, Elodie. Bon, en même temps, je suis pas choqué, ça te ressemble bien. Puis, alors, et puis, t'as Caro qui rigole. Non, mais... Caroline, faut pas rigoler à tout ce que dit Elodie non plus. Oh là 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 là. Et petite poutre à voir Doda là. je sais pas. Et ben, demande-lui directement. Ah, la proposition. Dodal propose à monsieur Grobus d'aller vérifier la taille d'une poutre. J'y peux rien, moi. Je me concentre sur ce que j'ai à faire. Ça a pas l'air de déplaire à monsieur Grobus. Et là, la musique, elle devient répétitive, là. Ah, de ma poutre? Non, non, mais moi, je fais pas de... Ma poutre, je laisse pas n'importe qui la regarder, et encore moins monsieur Gros Pouce, hein. Qu'est-ce que tu dis, ça? C'est bien, tu as bien raison, Dark Keeper, mais depuis tout à l'heure, moi, je parle pas de ma poutre, hein, c'est les gens qui parlent de ma poutre, hein. Vous voyez. Par contre, ce gros pouce, lui, ça va, et il est, comment dire, il a pas peur, il comme ça, lui, il dit, ouais, moi, on charge 15 cm, allez. C'est bien pour toi, Fabrice, hein. Eh, je tiens à signaler que c'est pas un site de rencontre, hein, ce soir, alors, s'il vous plaît, bordel. Faut que je vais te fumer dans ta putain de bouche. Steve, je te sodomise avec du gravier, du papier, tu vois, avec une coque en triple épaisseur de métal pour bien t'écarter le trou de balle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah si, je t'aime en plus. Comment ça, il a raison de ce gros pouce? J'ai pas montré ma poutre à tout le monde non plus. Merci.
Bah non. Bah si. Mais non. Mais non, j'ai pas montré ma poutre à tout le monde. C'est mal ça, me voyez. Et t'as même défilé dans l'allée principale. Non mais, c'était rien ça. Ça, c'était rien quoi. Ça, c'est dit. Non mais de toute façon, hein, de toute façon, vous allez vous calmer sur ma poutre. Hein. Ouais, Pierre, vas-y, Caro, vas-y, vas-y, rentre là-dedans, Caro, c'est bien, c'est bien. On sait tous, enfin, j'espère que Snake a tué Big Boss, a tué The Boss, pour prendre le nom Big Boss. Alors pourquoi Snake, on lui donne pas un pseudo genre Super Big Boss? Ou un truc comme ça, au moins je parle pas. Au moins je parle pas de poutre. Ah voilà, c'est bien Raph, c'est bien Raph. Merci Raph, merci. Merci Raph. Au moins tu relèves le niveau, tu restes dans l'esprit de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire un live Metal Gear quoi. Merci Raph. Non mais c'est bien, j'avais Meryl et j'avais Sniper Wolf en gros qui était en kiff sur ma poutre ou quoi là. Faut arrêter là. C'est un live Metal Gig. Porte quoi. Comme si ça me déplaisait que deux femmes s'intéressent à ma poutre. Non, j'avoue, non. Metal Gig, bordel, pas tourner autour de ta poutre pendant 2 heures. Mais c'est eux qui parlent de ma poutre. Justement, putain, non, monsieur, j'ai sur autre chose. Mais regardez un peu comment ils jouent, Fox, putain. Il se fait pas spotter depuis tout à l'heure, donc faut en profiter. C'est surtout Metal Gag, ouais. Comment transformer Metal Gear en porno? Ah yes, t'as raison Raph. Ah voilà, regardez, à cause de vos bêtises, hein, de vos bêtises là, Fox il vient de se faire spotter là. Fox ne meurt pas, non! C'est bien. Il n'est pas mouru, Fox. Hein, Foxy? D'ailleurs, Caro, c'en est où là pour le shoot? Mais c'est la technique de la poutre pour déshabiller Fox et ça marche. Mais arrêtez quoi! Putain, là c'est Caro qui s'y met quoi! Oh là là, les filles, putain, c'est pour... t'as vu, franchement, qu'on vient pas nous dire, c'est les mecs qui ont l'esprit vraiment qui tourne autour de ça. Hein. Franchement. Ouais, il rocks. Ouais, Fox il rocks. Mais en même temps, il rocks quand il n'y a pas des bêtises qui sont dites. Et mais Fabrice, tu vas me faire peur. Moi, je vais avoir du mal à bonsoir. Bonsoir, Knut. Nuke. Bonjour, mon Nuke. J'ai pas eu le temps de te le dire, mais merci pour tout ce que tu as fait pour PSB ces derniers temps. Okidoki, Caro. Qu'est-ce qu'il dit, Caro? Ouais, c'est par rapport au shoot.
Nuke dit bonsoir mon petit Fox. Bonsoir mon grand Nuke. Bonsoir mon grand Nuke, dit Fox. Enfin bon, Fabrice, tu me fais peur quand même. Hein. Je vais avoir peur de traîner avec toi à force que tu parles de moi là. D'accord, donc Fox attend là. Hein. Oui, parce qu'il faut pas se faire repérer par les caméras qui bougent. C'est comme les radars mobiles, ça, sur l'auto. C'est la même. Fox a déjà vu la fin de Metal Gear, j'espère. Oui, il a déjà vu. Yep. Oui, sauf que des filles qui parlent de moi, ça me fait pas peur, mais un mec qui parle de moi, ça me fait peur, Fabrice. Ça reste logique, je dirais, à ce niveau-là. Donc Nuke, tu ne connais pas MGS, donc c'est bien. Bordel de merde. Donc, bon bah c'est bien, comme ça tu es là pour découvrir, c'est bien. C'est bien. Il faut apprendre des choses tous les temps. Tout le temps. Il y a toujours des choses à apprendre. Surtout quand il s'agit de Metal Gear. C'est une saga qui a 25 ans tout de même. Okidoki, Caro. Sinon, bien de jouer que d'un œil, Fox. Ah oui, hey, t'as vu Steve? C'est quand même une sacrée performance de jouer que d'un œil. Tu vois, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te lécher les couilles comme quoi tu joues qu'avec un œil. C'est quand même une performance. Et Steve l'a remarqué également, tu vois. Merci les gars, merci. Ah, je te comprends, Caro, je te comprends. Fabrice, de quoi s'agit-il? De quoi tu veux dire, Fabrice, là? Je comprends pas. Oh, bordel de merde. Machine Gun Kid, t'es dans la merde, hein. Il me reste 7 vies et j'ai plus de ration. Hein, t'es dans la merde, Machine Gun Kid, c'est mort. Je vais mourir. À moins que... Ton jeu préféré, c'est Shenmue. C'est un vieux jeu, ça, non? Raph, sur 3DS, non, je l'ai pas encore fait. En même temps, j'ai pas trop aimé le design de Snake dans celui de 3DS. Je préfère quand même celui de PS3. Il est plus fin, il est plus... je sais pas. Je trouve qu'il est un peu plus bourru dans le Rebirth, on va dire. Caro, elle dit que Machine Gun Kid, il est chiant et qu'elle mourrait toujours ici. Voilà, faut surtout que je m'arrange pour arriver avec plein de vie, quoi. Et Raph demande si t'as testé MG3 sur 3DS. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Tu m'as entendu, Raph, ma réponse à propos de MG3, de MGS3 3DS? Tu as entendu sa réponse ou pas, Raph? Non, Fox!